La matrice artificielle n'a rien à voir avec ce que vous voyez, avec ce que vous sentez, avec ce que vous touchez, ni avec quoi que ce soit que vous pourriez imaginer à partir de ce que vous connaissez à travers vos cinq sens. Tout ce que vous percevez de la matrice artificielle passe par le prisme de l'ADN modifié de l'animal humain conçu par les faux dieux pour être une interface leur permettant d'agir sur cette sphère de densité via le symbiote de l'homme qui pilote l'animal humain. L'ego agit comme un parasite, une programmation visant à contrôler et à brider le pouvoir créateur de l'ADN, car l'ADN, de par sa nature primordiale, a le pouvoir de modifier, créer, syntoniser la matrice artificielle. Si l'ego... La bile noire agit comme un parasite, les commandos d'élite, les âmes, agissent comme des pirates. Ils ont profité en effet de la disposition particulière de l'ADN modifié de l'animal humain pour s'infiltrer à leur tour dans la matrice artificielle en s'imbriquant dans l'ego. Depuis lors, un combat mortel fait rage dans le corps de l'homo sapiens pour le contrôle de l'ADN. L'ego cherche à conserver son pouvoir sur lui. Le commando d'élite a pour mission, au contraire, de le nettoyer de la bile noire et d'utiliser sa faculté pour mettre fin à la matrice artificielle. Mais l'ego n'est pas le seul agent parasite qui menace votre sacro-saint libre-arbitre. Nous considérons avec raison qu'à la naissance, nous sommes la somme triangulaire de l'ADN, de l'ego et du commando d'élite. Mais en réalité, beaucoup d'autres forces interfèrent en nous et tout autour de nous, apportant toujours plus de confusion. Ce que vous percevez du monde avec vos cinq sens, ce n'est pas le monde, c'est juste un reflet du monde. Ce n'est pas la réalité, c'est à peine 10% de la réalité. Les 90 autres de la matrice artificielle appartenant aux autres sphères de densité sont totalement imperceptibles pour l'ADN humain qui a été bridé. Ces 90% sont pourtant présents et interagissent avec vous constamment. Dans certains cas, ils s'immiscent dans votre vie quotidienne, influent sur vos comportements, vos goûts, vos attachements, vos décisions, vos inclinations, vos névroses. Chacun de nous peut devenir la cible de l'invisible, souvent au moment de l'enfance ou de l'adolescence. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons ouvrir la porte à des entités et tomber sous leur emprise. La victime d'une emprise passera sa vie en adoptant sans même s'en rendre compte les choix, les envies et les comportements d'une entité invisible appartenant à une autre sphère de densité. Cette entité pourra être un golem, un égrégore, un élémentaire ou même un mort égaré dans le bas astral qui aura jeté son dévolu sur nous. Ces entités commenceront par nous suggérer des choses plaisantes. Elles nous tenteront, nous séduiront insidieusement, nous faisant voir le bon côté de certaines actions. Selon l'entité ou la personnalité du mort, il s'agira souvent de s'adonner à l'alcool, à la drogue, ou au sexe, ou à tout autre plaisir facile qui nous procurera une accoutumance et nous condamnera à l'addiction et à l'escalade. D'autres fois, ce sera l'incitation à un vice ou un défaut comme l'avarice ou encore l'obsession névrotique du ménage, par exemple. Autant de travers qui invariablement nous couperont du monde et des gens. Le but de ces entités est de faire baisser notre taux vibratoire, d'assouplir nos systèmes de défense jusqu'à ce que nous les autorisions à s'installer en nous. L'entité qui parvient à entrer en nous profitera de toutes nos faiblesses pour pénétrer toujours plus profondément dans notre inconscient. À partir de ce moment-là, elle ne nous quittera plus, sauf à trouver une cible plus alléchante. Si aucune résistance ne lui est opposée, l'entité qui exerce une emprise se dissimulera à l'intérieur de sa victime, modifiant tellement son état vibratoire qu'elles finiront par se confondre, ne faisant plus qu'un. Une fois l'entité installée, même le meilleur médium ne pourra plus déceler sa présence. Agissant depuis l'inconscient vers le conscient, l'emprise agira alors tellement sournoisement que l'ego lui-même, pourtant très affûté, croira que toutes les décisions viennent de lui. La victime n'aura bientôt plus la force de résister à la volonté de l'entité invisible ni d'exercer son discernement. Elle croira être elle-même quand elle se comportera en fait sous le contrôle d'un hôte invisible. Elle se sentira de plus en plus épuisée. Elle devra bientôt abandonner toutes ses anciennes activités, renoncera peu à peu aux soirées qu'elle passait avec ses amis, à tout ce qui auparavant faisait sa vie. Cette fatigue vient du fait que l'entité aura commencé son festin. La motivation première d'une emprise n'est pas la prise de contrôle de la victime. L'entité est avide et vorace, elle a besoin de se repaître de l'énergie vitale de son hôte, et la prise de contrôle est encore le meilleur moyen qu'elle a trouvé pour y parvenir. Isolée, en proie à l'épuisement et à la dépression, la victime n'aura bientôt plus aucun moyen de se défendre. Certaines pratiques de magie peuvent également faire de n'importe qui une cible de choix pour l'invisible. Certains rituels donnent en effet un accès libre à l'emprise d'entités qui sont alors invitées à parasiter le corps d'une cible désignée. Dans ce cas, l'emprise sera essentiellement tournée vers le contrôle du comportement. La victime adoptera un mode de vie et un comportement qu'elle fera sien et qui sera néfaste à long terme dans sa vie. L'emprise diffère du sortilège ou de l'envoûtement en ce sens que la victime n'est pas consciente d'être attaquée. Les mauvais sorts et les envoûtements sont très rapidement perceptibles du fait des événements négatifs à répétition qui surviennent tout à coup dans la vie de la victime sous l'impulsion de forces invisibles et du changement brutal de son comportement. En général, la personne réagit et parvient à se débarrasser rapidement du maléfice. Du fait de son action larvée et lente, l'emprise d'une entité invisible est beaucoup plus dangereuse car on ne peut chercher à se défendre contre un ennemi qu'on ne voit pas et dont l'ego se refuse même à reconnaître l'existence. L'emprise conduit l'être qui en est victime à la fatigue, à la dépression et souvent au suicide. Après quoi, l'entité s'en va chercher une autre proie pour, pour se nourrir. Si elle veut s'en sortir, la personne victime d'une emprise doit puiser en elle une force considérable pour retrouver sa vérité et un peu de sa liberté. Un long travail sur elle, notamment par le biais de certaines techniques d'hypnose, peuvent être d'un grand secours. Confrontée à une résistance inattendue, l'entité qui exerce son emprise se démène comme elle peut et tente de se maintenir par tous les moyens pour reprendre le contrôle. Tandis qu'elle se débat et s'affaiblit, s'accrochant désespérément au cou de sa victime comme le ferait un vampire, elle devient vulnérable car on peut enfin la sentir et la repérer. Il suffit alors de la déloger par une incantation au Christ ou d'une prière d'amour s'il s'agit d'un mort égaré. À travers l'emprise, c'est évidemment le commando d'élite qui est visé. L'entité se nourrit en effet de son énergie vitale qu'elle siphonne jusqu'à l'extinction définitive de l'âme, pour peu que l'emprise se perpétue sur de nombreuses incarnations. Les commandos d'élite les plus faibles, sont naturellement des cibles privilégiées pour ces entités qui se disputent alors une proie facile comme le ferait n'importe quel prédateur attiré par un animal blessé ou fragile les autres cibles de choix sont les âmes les plus pures desquelles émane une énergie dont les entités raffolent ne croyez pas que ce phénomène soit rare et qu'il ne touche que quelques cas isolés ce sont des centaines de millions de personnes à travers le monde qui vivent cette expérience sans en avoir la moindre idée tout ceci pour vous expliquer que le monde dans lequel vous croyez vivre n'est pas le monde dans lequel vous vivez. La matrice artificielle n'étant pas ce qu'elle vous paraît être à travers le prisme de l'ADN, il m'est très difficile d'exprimer et même de concevoir ce que pourtant il me faut expliquer ici. Ce que j'appelle les trois serveurs de mémoire, celui de l'ADN, celui de l'ego et celui du commando d'élite, porteurs d'informations, disposant chacun d'une zone publique et d'une zone privée sécurisée, forme ce que nous sommes à la naissance. Voilà ce que nous sommes vraiment. Ce que vous êtes n'est pas localisé dans un corps comme vous en avez pourtant l'impression. Vous ne pouvez pas être localisé dans un corps car vous n'êtes pas matière, vous êtes énergie. Pour décrire le plus fidèlement possible le monde qui nous entoure et nous-mêmes, au sein de ce monde, il me faudrait d'écrire des sons difficiles. En revanche, je peux vous parler de couleurs. Comme nous ne connaissons rien d'autre que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens, j'utilise l'image des serveurs de mémoire pour donner une vague idée de ce que pourraient représenter d'innombrables couches d'informations qui flotteraient dans l'éther. Et au milieu de ces milliards de milliards de couches, il y aurait les trois strates colorées d'informations abriquées qui vous composent, et parmi les trois couleurs se trouve la teinte jaune-or de l'ADN, le rouge-rubis de l'ego, la flamme bleue du commando d'élite. C'est l'image la plus fidèle qui me vient à l'esprit quand je veux exprimer qui nous sommes vraiment dans cette dimension de la matrice artificielle. L'ego et le commando d'élite sont pure énergie et sont en fait capté par une troisième ligne d'énergie qui va les canaliser, l'ADN. Voilà comment fonctionne le trio d'information qui fait que vous êtes ce que vous êtes. La matrice artificielle est comme un champ d'énergie s'étirant sur un très large spectre et qui se superpose sur une multitude de dimensions comme autant de couches qui ondulent et vibrent à l'unisson. Nous avons vu que tout était onde et vibration, information énergie que les faux dieux peuvent étirer ou tordre en émettant des sons ou en dirigeant des faisceaux d'ondes sur certains nœuds ou sur certains serveurs. Dans cet enchevêtrement vibratoire de milliards de milliards de couches qui s'entrecroisent et interagissent entre elles constamment se trouvent accolés les trois réseaux de mémoire, ADN, ego, flamme bleue, qui forment la conscience collective de l'humanité. Ces trois canaux distincts Apparaissent comme trois micro-couches soudées et compactes, perdues au sein de ce gigantesque canevas d'énergie mouvante en perpétuelle recomposition. Ils sont en fait formés par la juxtaposition de centaines de milliards de serveurs personnalisés, alignés et interconnectés, appartenant à trois types de données mémorielles et qui composent la personnalité de chaque individu. Il y a tout d'abord. Sur la couche principale, l'assemblage des serveurs dédiés au stockage de la mémoire ADN. Cette mémoire primordiale de l'être est presque entièrement commune et en accès libre pour tous les êtres humains. Sur une micro-couche secondaire se trouvent les serveurs destinés à stocker la mémoire des égaux. Chacun de ces serveurs dispose d'un accès à la partie commune à tous les égaux, réservée à la programmation et au conditionnement et d'une partie individualisée qui relève de l'apprentissage et de l'expérience. Il y a enfin la troisième micro-couche, le réseau pirate, siège des âmes, des chevaliers ou commandos d'élite qui se sont infiltrés dans la matrice artificielle. On remarquera aussi que certains réseaux de mémoire individuelle bleue sont entortillés les uns dans les autres, formant ce que l'on appelle communément des familles d'âmes. En dehors du point d'ancrage qui relie chaque commando d'élite à l'ADN, ce réseau est essentiellement vertical puisqu'il permet à chaque chevalier, à chaque flamme bleue de communiquer avec les trois autres émanations d'elle-même, restées sur des plans différents de la matrice artificielle, et de pouvoir ainsi remonter à la source originelle dont elle est issue. Le réseau de l'ego et le réseau pirate auquel chaque être humain accède individuellement, sont donc greffés et encodés sur la base d'un code ADN personnalisé. Ces micro-couches et leurs serveurs connectés sont perçus par les faux dieux sous la forme de sons et de couleurs. N'appartenant pas au règne de l'ADN, les faux dieux peuvent voir la matrice telle qu'elle est et jouer ainsi avec elle et en obtenir... Ce qu'ils veulent en agissant directement sur ce que nous pourrions appeler des adresses IP, comme un musicien joue sur les cordes de son violon pour en obtenir telle ou telle émotion. Pour les faux dieux, l'humanité est ainsi constituée d'une micro-couche mémorielle couleur magenta, rouge rubis avec des reflets noirs, rouge primaire, qui correspond au réseau de l'ego. D'une micro-couche mémorielle couleur cyan, bleu roi, bleu primaire, qui correspond aux flammes bleues, aux âmes, aux commandos d'élite. Et enfin, d'une micro-couche mémorielle principale sur laquelle les deux autres se sont harponnés, de couleur jaune-or, qui correspond à l'ADN, qui présente cette teinte dorée en raison des soleils irradiants au cœur de chaque cellule. Tous les individus étant la somme. De ces trois serveurs interconnectés, chaque individu vibre selon une fréquence spécifique déterminée par la prédominance plus ou moins grande de tel ou tel serveur et peut donc être identifié par un code couleur personnel. Toute altération de l'ADN, piercing, tatouage, scarification sera également perçue par les faux dieux comme un marqueur d'identification. Le nom de l'individu émettra également une signature fréquentielle spécifique qui pourra servir à le repérer. D'autres systèmes d'identification peuvent être encore utilisés comme les implants qui émettent un code fréquence supplémentaire. Dans la matrice artificielle vue par les faux dieux, l'animal humain, qui serait exclusivement dirigé par l'ADN, apparaîtrait en jaune or. L'être humain, qui serait entièrement dominé par son ego, apparaîtrait dans une dominance orange. Combinaison du jaune et du magenta. L'homme, qui vivrait exclusivement sous l'influence du commando d'élite, apparaîtrait dans la gamme des verts, combinaison du jaune et du cyan. Pour la plus grande majorité des êtres humains, la coexistence des trois agents tendra toujours à incliner la vibration de l'homme vers le noir de façon à ce que l'ADN reste coupé de la lumière originelle. Comprendre ce concept des couleurs est essentiel pour bien comprendre les codes de la matrice artificielle. Il existe deux systèmes de couleurs, la synthèse soustractive et la synthèse additive. Chacun de ces systèmes connaît ses trois couleurs primaires qui le définissent. Dans l'une, la combinaison des trois couleurs donnera le noir, dans l'autre, elle donnera le blanc. On parlera de synthèse additive s'il s'agit d'utiliser la couleur à travers la lumière et de synthèse soustractive si l'utilisation de la couleur se fait dans la matière. C'est le cas dans la matrice artificielle qui est le foyer de la matière noire. Partant du système soustractif, nous devons donc accomplir un travail alchimique sur notre corps afin de muter de l'intérieur pour atteindre le système additif qui nous permettra de faire triompher la matrice originelle. Nous devons donc toujours faire en sorte de rester dans la lumière. Ce code, une fois intégré, permet de comprendre toutes sortes de choses, comme par exemple notre attirance pour telle ou telle couleur, ou encore l'usage de certaines couleurs dans de nombreux symboles. Concernant le couple égo-commando d'élite, imaginez une boule composée de deux lignes d'énergie imbriquées, rouge et bleu, qui projettent ses ondes comme un arc électrique dans les terres. C'est l'extrémité de cet arc qui va soudain s'ancrer à un corps. Une troisième ligne d'énergie via la faille de l'ADN prévue à cet effet. On pourrait croire que l'ADN a été harponné par l'ego et le commando d'élite, mais en réalité c'est l'ADN qui accroche l'onde qui lui convient. Il captera des boules d'énergie plus ou moins rouges ou plus ou moins bleues selon sa lignée. Une fois la connexion établie, les codes d'accès aux différentes mémoires se mettent en place et la liaison ne prend fin qu'avec la désagrégation de l'ADN. Il est important de savoir qu'une fois l'individu décédé arrivé dans le haut astral, le commando d'élite n'est pas débarrassé de l'ego. Tous deux sont en effet toujours liés vibratoirement sous la forme d'une boule d'énergie ancrée à l'ADN astral, formant ce qu'on appelle le corps astral. Paul, dans 1 Corinthiens 15, lâche d'ailleurs quelques mots à propos de ce corps astral. 15.42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé incorruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de forme. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. En fait, à l'instant où la connexion est coupée dans notre dimension de la matrice artificielle, la corde ressemblant à un arc électrique qui les relie à l'ADN se détache. Les ondes se rétractent dans les terres sous la forme d'un arc blanc à la pointe lumineuse qui s'étire à l'infini pour finalement déboucher dans l'astral où se trouve la plus proche duplication de la flamme bleue qui jusque-là se trouvait en état de stase. En réintégrant l'astral, la boule d'énergie imprégnée par l'ego va se fondre à la flamme bleue et modifier sa couleur. L'ego et le commando d'élite ne se séparent pas car ils ont en partie fusionné sur la même base de fréquence ADN. Ils sont donc liés l'un à l'autre comme un couple et en même temps toujours liés au corps auquel ils étaient ancrés tant que l'ADN de celui-ci conserve son intégrité dans notre sphère de densité. Les boules d'énergie les plus rouges sous la domination de l'ego ne franchiront pas la membrane de l'astral. Attachées à leur vie ici-bas, elles resteront entre deux dimensions, comme des ombres, errantes dans le cimetière non loin du cadavre, ou dans des lieux où l'ADN a laissé son empreinte, comme des maisons, se cramponnant à des mèches de cheveux, etc., jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre à quoi s'accrocher. Que les limbes noirs d'où est sorti l'ego. D'autres se retrouveront coincés dans les limbes du bas astral, à la merci de tous les parasitages, et ainsi de suite, dans une variation de couleur qui pourra aller du rouge jusqu'au blanc. Les fréquences les plus élevées sont destinées à rejoindre la clandestinité dans les zones les plus hautes du haut astral, contrôlées par la résistance. De fait, la résistance a investi des zones du haut astral. Ce sont des zones de non-droit, hors du contrôle des faux dieux, des no-man's difficilement repérables. La résistance s'y trouve en sécurité, protégée par un bouclier électromagnétique puissant que les légions noires ne peuvent percer. Ces zones effectuent des bonds dimensionnels en permanence. Il nous est difficile de concevoir tout cela. Car nous ne sommes pas soumis aux mêmes lois. Il importe en tout cas de savoir que dans les deux autres sphères de densité de l'astral, le bas comme le haut, le combat continue. La résistance existe, bien qu'elle soit minoritaire aujourd'hui, beaucoup de flammes bleues sont encore appelées à s'éveiller. Pour le couple égaux commando d'élite qui se trouve dans le haut astral, dans les gouvernements sous contrôle des faux dieux, la totale décomposition du corps sonnera l'heure d'une nouvelle incarnation dans notre troisième sphère de densité. En effet, un nouveau corps d'une lignée compatible va enfin pouvoir capter ces ondes et accrocher l'extrémité de l'arc vibratoire qui continuait de se propager dans les terres. Je précise que les lignées d'ADN dépassent et transcendent largement le concept de famille au sens où les humains l'entendent lorsqu'un nouveau cycle de vie redémarre, une fine pellicule d'adn se dépose sur le couple ego-commando d'élite. de nouveaux codes d'accès aux différents serveurs mémoire sont générés, adaptés au nouvel adn et viennent remplacer les anciens. c'est ainsi que la mémoire des vies passées se perd mécaniquement à chaque fois. c'est ainsi que le combat entre le commando d'élite et l'ego perdure d'incarnation en incarnation jusqu'à ce que l'un prenne le dessus sur l'autre jusqu'à ce que l'un absorbe l'autre. C'est ainsi que le commando d'élite pourra un jour accomplir sa mission. Lorsqu'il aura enfin terrassé le dragon, l'ego, il utilisera alors le pouvoir créateur de l'ADN pour mettre fin à la matrice artificielle. Le film Oblivion est une illustration parfaite du principe des mémoires externalisées dans ce que nous pouvons appeler des serveurs éthériques personnalisés. Je vous ai expliqué pourquoi au bout d'un certain nombre d'années, les clones du film Oblivion devaient être recyclés. Au-delà d'une certaine date, en effet, le verrou d'accès aux mémoires installé par les entre guillemets, extraterrestres, les scaves, sur chaque clone n'opérait plus. Donc les clones, en tant que copie conforme de l'ADN disposant de la même fréquence d'accès au réseau des différentes mémoires stockées dans les terres que leur original, finissait par capter ces mémoires. Accédant à la somme de ces mémoires, et la somme des mémoires étant le siège de ce que nous sommes, ils devenaient alors, à leur tour, pleinement l'original, avec tous ses souvenirs, tous ses sentiments et ses émotions. Une perspective que les scaves voulaient éviter à tout prix. Allons un peu plus loin à présent et transposons cette situation dans un autre contexte. Tout ce que nous avons appris sur nos mémoires nous permet de prendre conscience qu'un clone qui n'aurait pas subi le programme d'effaçage mémoire obligatoire, comme c'est le cas dans le film Oblivion, partagerait en fait non seulement le même ADN mais aussi le même égo et le même commando d'élite puisqu'il capterait les mêmes ondes projetées dans les terres par le couple égo-commando d'élite. Ce clone serait donc une duplication rigoureusement identique à l'original, partageant les mêmes souvenirs, les mêmes sentiments et les mêmes émotions. L'original et le clone formeraient donc une seule et même personne en symbiose, alimentant simultanément les serveurs mémoire de l'ADN, de l'ego et du commando d'élite de leurs expériences. Le même processus peut se décliner avec 2, 3, 10, ou même dix mille clones branchés sur la même fréquence. Il m'est d'autant plus facile d'affirmer cela que des milliers d'expériences ont déjà eu lieu officiellement, sur des chiens par exemple. Certes, les animaux n'ont pas de billes noires ni de commandos d'élite, il n'empêche qu'ils ont eux aussi un serveur mémoire externalisé, celui de leur ADN. Or, les clients qui ont eu recours au clonage de leur animal trouvent systématiquement que la personnalité et le comportement des chiens clonés sont très similaires à ceux de leur animal décédé. On a remarqué aussi que le clone d'un chien de cirque était capable de reproduire les mêmes tours que son original décédé sans avoir besoin de passer par le dressage. Ce que l'on constate pour le chien, on pourrait également l'observer chez l'homme pour les raisons que j'ai exposées. Il convient à présent de considérer plusieurs cas de figure. Un couple... Commando d'élite dans le haut astral est capté par un corps ADN de lignée A. Il forme avec l'ADN de ce corps dans la troisième sphère de densité un individu A1 constitué des trois serveurs mémoire que nous appellerons mémoire ADN A1, mémoire égo A1, mémoire commando d'élite A1. Après la mort et la décomposition de ce corps, les ondes du couple Ego Commando d'élite sont captées par un autre corps appartenant à la même lignée d'ADN A, mais présentant quelques différences au niveau du code fréquence. Comme nous l'avons vu, cette nouvelle imbrication subissant un formatage à la naissance va écraser le code d'accès aux données de la vie précédente sous une nouvelle couche superficielle d'ADN générant un nouveau code d'accès à trois nouveaux serveurs de mémoire. Le trio formera un nouvel individu A2 n'ayant plus accès aux souvenirs de l'individu A1. Voici techniquement comment les incarnations se suivent de toute éternité sans que nous ne puissions jamais accéder aux mémoires de nos vies antérieures, sauf à pouvoir nous connecter à d'autres dimensions. Imaginons à présent que l'individu A2 meurt. Le couple égaux a1-2, première vie plus seconde vie, commando d'élite A1-2, première vie plus seconde vie, rejoint euh, le haut astral. Si le corps de l'individu A1, première vie, était alors cloné, son ADN ne pourrait plus capter le couple égo commando d'élite A1-2, deuxième vie, car celui-ci se projetterait désormais sur une fréquence différente le corps A1 capterait un autre couple égo-commando d'élite plus compatible à qui il générerait un nouveau code d'accès à trois nouveaux serveurs de mémoire. Donc l'individu A1 cloné serait complètement différent en termes de personnalité par rapport à son original. En revanche, s'il n'y a pas eu de réincarnation entre temps, l'ADN A1 captera systématiquement le couple égo-commando d'élite A1 rester le plus compatible à sa fréquence. Même si le clonage a lieu mille ans plus tard, le clone sera strictement identique à l'original, avec les mêmes souvenirs enrichis, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Il enrichira ainsi de sa propre existence les trois serveurs mémoire de l'original. Malgré le formatage subi à la naissance, il sera exactement le même être, poursuivant son existence à une autre époque. Vous comprenez à présent l'importance de la préservation des corps chez les anciens et la raison véritable du rituel de momification si répandu autrefois à travers le monde. Il s'agissait de retarder le plus longtemps possible l'échéance d'une réincarnation synonyme de désagrégation des mémoires, mais pas seulement. La croyance selon laquelle la momification était un moyen d'atteindre l'immortalité n'était pas dépourvue de fondement. Elle relevait au contraire d'une connaissance et surtout d'une pratique réservée à certains initiés et que beaucoup avaient eu l'occasion d'observer concrètement. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit à propos des noms au début de l'ouvrage La croyance des Égyptiens en la vie après la mort était au cœur de leurs préoccupations. Selon eux, seuls accéder à cette autre vie ceux qui conservaient leur nom. Or, les lettres correspondant à la prononciation des hiéroglyphes pour le mot nom sont les suivantes A R N. Cela nous renvoie naturellement à la problématique de l'ADN. Les momies que l'on retrouve à travers le monde ont pour objectif non pas seulement la survie de l'âme, mais la conservation de ce nom, de cet ADN garant de la survivance des mémoires et donc d'une potentielle résurrection. Un secret que connaissent bien les initiés. J'ai relevé au début de ce livre l'obsession du nom dans la Bible, notamment à travers la crainte de tel ou tel personnage biblique à l'idée que son nom soit retranché de sa maison. La problématique du nom pour les Hébreux était surtout liée à l'absence de descendance, bien que l'idée de la survie de l'ADN soit sous-jacente dans la manifestation de cette crainte. Il semble évident que le secret des Égyptiens anciens et des autres peuples adeptes de la momification était déjà en partie perdu. Quant à Yahvé, nous avons vu qu'il menaçait de supprimer les noms de tel ou tel individu, peuple ou famille, Deutéronome 29.20, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux, ou encore Josué 7.9, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Yahvé connaît le secret de l'ADN lié à la possibilité d'une résurrection et sa menace porte forcément sur l'ADN de la personne. Notez cependant qu'il est toujours question d'effacer les noms de la terre ou de dessous les cieux, comme si le pouvoir de Yahvé se limitait bien au monde, à la matrice artificielle. Yahvé est en effet capable d'effacer l'ancrage de l'ADN d'un individu dans la matrice artificielle interdisant à cette branche d'ADN de perpétuer sa mémoire sur la terre, mais son pouvoir s'arrête là. Dans le Nouveau Testament, il en va tout autrement. La question du nom correspond là encore à l'ADN, mais il touche directement à un autre concept, celui du livre de vie. Philippiens 4.3, dont les noms sont dans le livre de vie. Ou encore Révélation 3.5, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Les évangiles nous apprennent ainsi que certains noms ADN furent placés dès l'origine du monde dans le livre de vie, tandis que d'autres noms n'y furent jamais inscrits. Cela signifie que certains ADN humains, bien que modifiés par les faux dieux et souillés par la bile noire, sont issus du royaume, tandis que d'autres ont été artificiellement fabriqués dans la matrice artificielle par les faux dieux. C'est le cas des sangs noirs. Ces êtres sans âme, capables d'accueillir en eux les légions et les elfes noirs grâce à la forte concentration de bile noire qui coule dans leurs veines. C'est le cas de cet homme contre lequel va se battre Jacob et dont nous avons vu qu'à l'instar des vampires, il ne pouvait supporter le rayonnement solaire. C'est le cas aussi du malheureux démoniaque habité par les légions noires et que libère Jésus dans le pays des gadaréniens. Ceux-là sont directement concernés par le verset du livre « Révélation 17:8 Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Pour ces sangs noirs, la menace d'effacer leur nom, leur ADN entièrement artificiel, dont l'origine ne remonte pas au royaume, consiste à les renvoyer dans le néant. Cette notion de livre de vie, et nous y reviendrons dans un prochain ouvrage, n'est pas étrangère à celle de l'arbre de vie, autrement dit, à l'arbre généalogique. Tout cela nous amène à découvrir une vérité fondamentale et bouleversante, le secret de l'arbre de vie, celui dont les faux dieux ont toujours refusé l'accès aux hommes.